Bonjour à tous, c'est le Blaireau Furtif. Donc nous voici pour la suite du chapitre 2 d'Adamong. On a massacré quelques petits villageois et nous revoici au village actuellement à la recherche de Louis Sella qui s'est fait kidnapper par les Ganados. Et Ada a découvert également que Léon s'est fait kidnapper. Donc c'est parti, maintenant nous allons continuer notre aventure et nous voyons un Ganado avec la veste de Léon. Et nous avons un petit accueil dans le village, donc tenez, prenez ça les enfants. La grenade qui va servir à rien. Ah non, la grenade qui a servi. Juste la dame qui tient encore debout. Ah bah lui aussi il a survécu. Aïe. Tiens, prends ça. La précision est pas top, hein. Il avait mis des gants, lui. C'est le co-co-co-co-combo. Oh, le 4 kilos, lui. Ralentissement, oh putain, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est comme l'autre derrière, si. Bah il avait envie de mettre un nouveau manteau, hein. Il voulait avoir la classe dans son village, hein. Bon, nous retournons dans le manoir de Pitores, je sais même pas pourquoi. Enfin, dans le manoir, à la maison plutôt. Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se curará. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón, es un hombre. Je sais même pas de quoi il parle. Es un hombre. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. Des gros nénés. Faut arrêter. Il passe la pas. Non, il passe la pas. Morir es vivir.
moins tarafé. Rien pour le temps était plus rapide. Oh, tu as fait une petite blessure à Ada, elle va pas être contente. Donc là, nous nous retrouvons dans un culte. Ah là, faut se méfier parce qu'à mon avis, il y a des parasites bagasses. Comme c'est la nuit. Ouais, je m'en doutais, je sais pas pourquoi. Alors là, il n'est qu'il a même pas capté ce qui se passait. Ah, il est souvent de l'échelle, hein, il attaque pas. Rodriguez, dépêche-toi, on a besoin d'aide. Putain, mais regardez-le, il réagit même pas. Ah, quoi, il s'est passé quoi? Excusez tout le temps, là, il a un peu de mal à réagir. Qui attendre. Donc voilà, Ada a failli être sacrifié. Par contre, je sais même pas pourquoi ils lui ont pas mis un plagas dans le. Un plagas dans le corps, quoi. Et d'ailleurs, comment elle peut savoir qu'elle n'a pas eu, quoi. Ah merde, qui est fait? Il y a aussi un pétard trop près de Rodrigo. Et il n'y a pas lu la notice d'utilisation. Il y a une dame ici, mais qu'est-ce qu'elle fout ici? Ah, les escaliers. Ah, il tranche même pas. Ah, me fait tomber les escaliers, il y avait mal à voir le mal au dos. Là, Pedro n'est pas ici. Bon, ça sert à rien d'aller ici. Attendez, on va regarder si elle peut aller ici. J'ai besoin d'une clé. Ah oui, il faut récupérer quelque chose ici. Donc on en a encore pour un petit moment. J'ai bien fait de faire une partie 2 en fait. Slichely, hein. Ah, boyol, mademoiselle. Il y avait un taux de dire que ces mécléants vous auraient kidnappé. Il aimait préparer avec les âmes pour venir vous sauver. Oui, mademoiselle, pour venir vous sauver. Parce que d'habitude, il n'utilise pas ma marchandise. Mais là, il y avait grandement besoin. Ta gueule. Welcome. Que vois-ce que tu as? Oh, mademoiselle. Vous êtes si jolie. What are you selling? Alors, ça, tiens, j'en veux pas. Thank you. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux plus. Thank you. Ah oui, la shop, ouais. Ça, ça va sur la shop. Est-ce que je peux acheter le fusil? Ouais, je peux acheter un fusil. Il y a un énorme fusil. Come. Ah, toi, vous aimez les gros fusils, mademoiselle, hein? Je sais même pas s'il va me servir beaucoup durant cette partie, mais on verra bien. Ah, je me loupe. Le problème, c'est que j'ai plus trop énormément de place dans l'inventaire. Il me faut vite la mallette supérieure. On va faire ça. Pendant ce temps, le bureau furtif range son inventaire. Alors que le monde court à sa perte, bureau furtif range son inventaire. Back anytime. Y a pas de souci, hein, je reviendrai. Ah, vous reviendrez, mademoiselle. Je crois qu'il y a une clé quelque part ici. Hein. J'ai oublié une clé. Et là, il y a des munitions. Ici, nous avons des compteurs électriques, je pense. Oh, des compteurs électriques. Tintin Yosé, elle a cru que c'était des compteurs électriques.
Ouais, mais je n'ai pas la clé pour voir la porte en bas. Au pire, elle utilise son lance-grave, elle passe au-dessus. Mais on va aller revoir, ça se trouve, on a zappé un truc. Parce que je sais qui c'est qui a la dernière clé. Mais... c'est la clé de quoi, je l'ai récupéré aussi, clé-là. Merde, je m'en souviens déjà plus où je l'ai récupéré. Putain, la mémoire que j'ai. La mémoire que j'ai. Dans la cabane abandonnée. Il y avait des méchants. Et... ah, je suis pas contente. Tu as tué ma soeur. La musique de Del Lago quand même, faut le faire. Allez, on va utiliser le fusil de sniper, on va le baptiser d'une balle dans ton crâne. Et maintenant qu'il réagit. Oh, c'est cri. Ah, mais il y a ton explosif, hein. Tu vas pas me dire que ça l'a tué. Ah non, ça a tué sa copine, hein. Mais d'où sort de... ah, plante ça dans tes dents. J'allais mourir là. Et la clé qui vole là. Vous avez trouvé la clé de l'ascenseur. C'est pas vraiment un ascenseur, hein, je dirais. Je pense que là il y a une erreur de traduction. Bon, bien sûr, je sais pas comment on dit nacelle en anglais. Parce que mon anglais est très bien travaillé. J'ai le meilleur niveau anglais du monde. Non, ce qui est absolument faux. Bah allez. Tiens, c'est comme ça que j'ouvre les portes, moi. Et je continue mon irrésistible, attention. Je suis sûr qu'il va y avoir du monde qui va m'accueillir. Voilà. M'en douter, deux types, un type avec des haches et un type avec une mitraillette. Une dynamite. Alors, ça, ce qui m'énerve, c'est quoi? On voit pas du tout. Oh, mais. Ah, ça, ça me gonfle!
Putain, plein fouet, le Plagas il crève quoi. Ce fusil à pompe et ce fusil à pompe fait des miracles. Bon, je vais essayer de combiner ça maintenant. Je pense que j'en ai assez. Ah, mademoiselle, vous n'êtes pas blessée. Il y a entendu des méchants. Je voulais vous aider, mais en fait, il n'y avait pas envie. Ah, tiens, prends ça, j'en veux pas. Ça sert à rien, le TMP, il va pas m'aider. Bon, ça va être trop cher, puis j'aurais plus de place. En général, la lunette, on a vraiment, mais vraiment pas besoin. Mais bon, moi, ouais, je l'aime bien. J'aime bien tout ce qui est fusil sniper dans les jeux. Donc, ah oui, il faut faire le truc là. J'aime bien tout ce qui est fusil sniper. Donc, la lunette, pour moi, c'est un peu. C'est un peu mon achat abusif. Voilà, maintenant c'est pourquoi ça marchait ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une spinelle? Qui c'est qui a laissé traîner une spinelle? Ils mettent de l'argent dessus des poubelles quoi. Du TMP, youhou! Pas quelque chose ici, non. Ah bon yo, mademoiselle. Y'a mes suites téléportées. Ça s'est ralenti. What are you buying? What are you selling? Is that... Thank you. Il y a mes suites téléportées. Vous voyez? C'est vrai ça. Il arrive avant nous ici. Quoi. Ah ouais, madame, on frappe même pas les portes. En même temps, elle a pas la clé. Hein. Parce que c'est le passage du El Gigante ça. Oh, le vilain spoil, c'est pas bien. Il n'y a même pas la clé. C'est vrai ça, il y a un truc complètement débile. Voyez-vous, quand j'avais passé ce passage là, les mecs ils ont pris le temps de laisser la clé là dedans quoi. Mais pourquoi? Ils veulent tuer Léon, ils laissent la clé là quoi. Ah si, c'est pour aller faire le petit défi, comme ça Vito Les Mendez, lui, allait taper Léon dans la cabane abandonnée. Ah si, ça marche très bien, il parlait les combats entre hommes. Ah, et puis les femmes adolescentes, hein. Ah bah si, Isabella aime ce travail, aime ses combats à mort. Y'en ai déjà fait deux. Je suis pas content. C'est pas une cadence de tir super exagérée, génial, hein. Allez, on va couper. Ah, aïe, j'en fais mal. Pas une cadence de tir, je crois que ça tire. Hein. Il y a un truc où on peut utiliser le lance-grade.
Et vous pourrez remarquer également qu'ils ont pris le temps de reconstruire les maisons après. Hein. À moins que Léon, dans le jeu, emprunte le chemin où il y a une sœur Isabella. Là dans l'histoire. Pas mort. Hein. Il est pas mort, il dort. Oh, oh, oh. Qu'il est décédé. Ouais, il est décédé. Ben, j'ai cru que j'allais mourir avec ça. Ah, je sais plus si je l'avais dit, mais je crois que pour faire le El Gigante, le Capcom s'est inspiré d'un peu du troll des cavernes du Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, le premier, la communauté de l'anneau, vous savez, le troll qui attaque la communauté dans les mines. Bah, apparemment, il se serait inspiré d'un peu du El Gigante pour le faire. Je crois que je l'avais dit, mais je ne m'en souviens plus. Alors, clé trésor. C'est parti, continuons notre sens. Je suis dans le mauvais sens. Suis les maisons cassées, très bien. Et les portes pétées, d'accord. Par contre, j'aimerais bien savoir où se trouve le deuxième œil. C'est quoi, c'est une herbe de quoi? C'est une herbe verte. Je veux plus avoir de place. I forgot some. You guys go on. Louis. Il est content. Hey, señorita. Got a light and some smokes to go with it to make my day? Where is the sample? Okay, we skipped the foreplay. As a matter of fact, I was just going to get it. Where's the love, baby? Sounds like fun to me. Just hurry up. Okay, lady. Where do you stand on all of this? Exactly, what kind of group are you working for? There are some things in the world better off not knowing. This is one of them. Fine, I can take a hint. I don't care who you are, as long as you get rid of that old man and his religious friends. Bon, eh bien voilà, c'est la fin de ce chapitre 2. Une précision de 88, ça va, on s'en est bien sorti. 81 et demi tués. Nous ne sommes pas encore morts une seule fois. Bon, c'est un bon début. Mais bon, à part ce chapitre 3, peut-être, ça va commencer à douiller. Également au chapitre 4 et 5, surtout le 5. Surtout un passage en question en tête. Bon, je vous dis à bientôt pour le chapitre 3. À très bientôt pour la suite. Salut à tous.